Bonjour à tous les amis, donc voilà, c'est le premier épisode de l'année 2019. Donc c'est un épisode qui va un petit peu être différent des autres, où je ne vais pas nécessairement vous présenter une technique comme d'habitude, mais j'aimerais tout d'abord, même si voilà, on se l'est dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2019, avec plein de réussites, plein de choses positives pour vous et votre entourage, et je l'espère un maximum de poissons. Donc, en ce début d'année 2019, j'ai voulu voilà, vous faire un léger bilan de ce qu'on avait pu faire en 2018 ensemble. Donc ça a été une année qui a été très riche. On a pu justement faire énormément de rencontres vis-à-vis de ma chaîne et de gens qui ont interagi avec moi. Pardon. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça. Maintenant, en ce qui concerne donc, le projet en tant que tel, donc, vous avez pu voir l'année dernière que j'ai eu des moments plus ou moins longs sans vidéo. Alors je voulais vous mettre justement des vidéos à certains moments durant l'été, etc. Mais les pêches n'étaient pas faciles. C'est vrai que voilà, la chaleur, ça devient compliqué. Il faut soit y aller très tôt le matin, soit très tôt en début de soirée, pardon. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire principalement, c'est vous dire cette année ce que je vais essayer de faire donc, de différent. Je vais essayer de me remettre à refaire quelques tutos. Je vais essayer de vous présenter donc, un top 20 qui va représenter donc, par exemple les plus grosses perches prises en France. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que voilà, je trouve que dans notre passion c'est assez important de pouvoir aussi connaître quels sont les poissons records et quels sont les records en France justement. Après vous allez pouvoir trouver donc, des vidéos comme je faisais au départ, donc une brève histoire de pêche où là c'est des vidéos un petit peu documentaires, reportages où je vais présenter un poisson et généralement sa déclinaison sur une autre partie de la planète aussi. Donc ça, je vais vraiment essayer de le refaire cette année. Après sur l'aspect pêche, donc ça va être vraiment de se diversifier, c'est-à-dire essayer de refaire des pêches au leurre, de faire des pêches à la carpe qui me tiennent à cœur, de refaire des pêches au feeder, faire différentes pêches, différents sujets au sein de la France aussi que j'aimerais bien réaliser. Donc ça va pas être forcément tout pour cette année, mais il y aura une large partie qui sera réalisée pour vous. D'ailleurs, je vous dis pas grand chose, mais en tout cas, dans les deux mois qui arrivent, restez tous connectés derrière vos écrans parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés sur ma chaîne. Et puis, pour conclure aussi, quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, donc c'était par rapport donc, à l'aspect de mes pêches, où des fois, il y a peu d'action, ou alors à certains moments, je ne monte pas nécessairement là où je lance. Donc c'est quelque chose que j'essaye vraiment de travailler, parce que voilà, c'est pas évident toujours de faire des vidéos, d'avoir des idées, etc. Et donc c'est pour ça que cette année, je vais vraiment essayer de plus vous montrer mon action de pêche que j'ai déjà fait dans un certain nombre d'épisodes à partir de septembre 2018. Mais là, je vais essayer de vous le montrer de manière un peu plus pointilleuse, de vous montrer mon action de pêche, ma manière d'écher, peu importe l'appât, d'aborder un poste, pour justement vous créer un peu plus d'action. Après la GoPro, j'essaierai d'en avoir une cette année. Je vous promets rien, mais c'est aussi dans mes objectifs. Donc maintenant, pour en arriver donc à aujourd'hui, on est le 5 janvier. On a une température extérieure qui doit être approximativement à 4-5 degrés. Une eau qui est très froide, qui doit être à 2-3 degrés. Donc le poisson bouge, mais il faut aller sur des postes où vous allez vraiment leur présenter les appâts devant la gueule. Parce que sinon, voilà, ils vont pas se déplacer des masses pour aller chercher leur nourriture hein, à cette époque-là. Donc je vais essayer d'aller prendre un poisson, comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo. Donc avec le montage drop shot, un montage très simple que j'ai pu vous présenter dans les dernières vidéos. Donc maintenant, on se retrouve sur le bord de l'eau et cette fois-ci, ça sera pour l'animation au drop shot que j'ai choisi avec un poisson mort cette fois-ci. Je vous dis à tout de suite. Ce montage, alors comme je vous ai dit précédemment, c'est un montage qui est très simple et vous aurez une vidéo sur le drop vif bientôt. Donc là j'utilise vraiment une belle ablette pour essayer de faire sortir un joli cendre ou un beau brochet, on sait jamais aussi. Donc très simple. Donc moi aujourd'hui je suis sur un ouvrage, donc vous avez le pont qui est juste là, pile de pont, donc c'est une démarcation qui est naturelle d'une rivière. En tout cas resserrer par exemple des cendres qui aiment bien se tenir sur les piles de pont ou notamment les perches aussi. Alors là sur les bordures, il faudrait que je vous fasse un plan, c'est des bordures qui sont essentiellement de cailloux,
donc, et qui descendent très progressivement dans le fond. C'est pour ça que sur toute la descente, en fait, vous allez pouvoir trouver différentes espèces, allant de la perche pouvant aller jusqu'au silure, sur l'aspect des fois un peu plus profond, surtout sur des saisons en début et en fin d'année où vous pouvez les trouver sur saison. Donc maintenant, tout simple, hein, vous connaissez, ne faut pas faire des longs lancers parce que vous pouvez perdre votre vif aussi. Hein. Donc hop, là je vais prendre la pile, je vais essayer de lancer vers la pile. Donc voilà, je me mets juste à côté de la pile. Alors là, ce qui est important, c'est que vous allez voir votre bannière se tendre. Vous laissez en contact et d'un coup, vous allez sentir le mou. Voilà, là je suis arrivé à fond. Donc c'est un montage qui est vraiment très simple. Alors en ce qui concerne l'animation, il faut avoir le cœur chaud. C'est un petit peu comme une pêche à la tirette. Il faut vraiment prendre son temps. Alors surtout, vous prenez contact avec votre plomb. Vous prenez juste l'excédent avec votre moulinet. Et là, vous allez faire des mouvements assez minimalistes en fonction des cadres que vous avez et du plan pour justement faire travailler votre poissonnet au-dessus du fond. Alors vous pouvez choisir différentes hauteurs, régler votre plomb, ce qui est le principe du drop shot. Et donc voilà, là je sens quelques cailloux taper, donc ça c'est l'avantage du plomb bâton que j'ai mis, qui va passer très facilement entre les cailloux. Donc là je vais un petit peu rapidement, mais vous pouvez alterner des pauses entre 15 et 30 secondes, voire même plus, hein, si vous voulez vraiment marteler les postes, vous pouvez faire des fois des arrêts beaucoup plus avancés. Donc voilà, sur le principe, on est comme ça. N'hésitez surtout pas à varier aussi les approches avec ça. Voilà, amener une boîte de leurre, amener quelques poissonniers aussi vivants et à varier. Alors là, il faut faire attention, encore une fois, avec les obstacles, mais ça va permettre, sur énormément de pêche, de pouvoir vous donner justement le contact avec le fond et donc de déceler la nature où se situent les poissons. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très minimaliste. En réalité, vous pouvez faire quasiment à la verticale sur les postes à bord, comme je suis en train de faire là. Donc vous reprenez bien l'excédent et vous allez faire juste un petit mouvement de sillon. Et là, les poissons sont assez réactifs. La seule difficulté du drop shot, ça va être le plomb. Des fois, le fait que le plomb tape sur la vase, c'est quelque chose qui marche très bien. Et à d'autres moments, le poisson, voilà, qui est éduqué et un peu craintif, va le faire fuir. Donc à vous de jauger quand est-ce que vous allez l'utiliser. Bon les amis, et ben voilà, hop, une magnifique perche, le premier poisson de 2019. Ah, ça annonce une belle année, en tout cas une perche de 31, donc un poisson qui va vous faire l'honneur de montrer sa magnifique dorsale. On peut voir des couleurs orangées, donc toujours hein, sur ce que je vous disais, un montage donc drop shot avec une canne Shimano. C'est vraiment quelque chose qui marche très 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 bien en ce début d'année. Donc voilà, c'est le seul poisson de la session que je vais faire, c'est déjà bien. Ça lance la saison 2019. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien. Voilà la remise à l'eau de cette jolie perche. Pensez vraiment à faire ça sur tout type de poisson encore une fois. Donc l'eau elle est froide, hein. C'est une eau vraiment... très froide, donc pensez à tenir un petit peu vos poissons pour qu'ils repartent en pleine forme, l'oxygène un petit peu, je l'énerve aussi un peu. Là elle est prête à partir. Allez, au revoir ma belle, grandis bien.